Bonjour, bonjour. Je fais... comment je vais dire ça? Je reviens avec un tuto que j'ai commencé cette nuit. C'est pour faire un bonnet. Et c'est facile à faire, hein? C'est juste que j'utilise deux couleurs en même temps. Le côté saumon et le côté bleu. Et pour avoir un joli rendu, qu'est-ce que je fais? Je dois placer à la fin de la rangée de cette couleur-là en face de moi. J'utilise principalement les comment on appelle ça? Les demi-brides. Ici, c'est les mailles simples. Comment on appelle ça? J'ai le nom en anglais, hein, j'arrive pas à dire en français. Donc, je vais commencer au lieu de passer mon temps à bavarder, à dire des bêtises. Je vais continuer ce bonnet-là. Voilà. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Voilà. Par contre, je prends le brin arrière et non le brin et non tout ça. C'est pour donner un peu le côté élastique. Voilà. Ça, c'est selon le sens. Quand c'est du bleu, pour avoir un... Si c'est vraiment... Ça évite de couper, de faire chaque bloc à part et de... Et de jeter... Et de couper pour pouvoir recoudre. Là, c'est direct. Ça a son charme. J'espère pouvoir terminer... Pas comment je vais faire pour que ça soit plus oui là si je vais terminer avec du bleu pour enchaîner avec du saumon dont je vais prendre là voilà je fais ça. Je laisse, je termine pas pour pouvoir reprendre. Je fais pas ça, non. Je reprends, je vais refaire. Voilà, j'ai mes trois brins. Je passe ce fil en face parce que c'est du côté. C'est pour faire propre. Je passe le fil devant moi. Et ensuite, je mets celui-là pour attacher. Comme ça, je change mes couleurs. Voilà. Tiens bien qu'il ne soit pas trop tant distendu voilà et ainsi de suite je trouve que c'est beau comme ça peut-être aussi que j'essaye avec trois couleurs. Selon qu'on peut hein. Si on est si on se sent capable de faire plusieurs couleurs, on peut. Moi, pour l'instant, ma capacité, c'est deux fils. Je suis autodidacte, j'apprends sur le tas. C'est une passion.
Voilà. J'ai oublié de dire, c'est du fil acrylique. C'est du fil 100% acrylique. On peut utiliser de la wool, la vraie laine. On peut utiliser de la soie, du coton, selon qu'on veuille, selon son projet. Donc là, moi, mon projet, c'est avec cette laine, et j'utilise un crochet 4. Si vous voulez plus souple, vous utilisez une aiguille un peu plus grosse. Voilà. Ça fait vraiment léger avec une plus grosse aiguille. J'espère pouvoir finir ce bonnet avant d'amener l'enfant à son activité de voilà, j'ai coupé pour faire ça parce que c'est trop lourd, après ça s'en mêle. Là, au lieu de faire un bride, je vais faire un maille. J'ai laissé 5, donc là j'en ai mis 30 pour ça et 20 par là pour faire un peu plus grand, quoi. C'est pour un bonnet d'enfant. Ça va dépendre aussi de la tête de la personne et de comment je vais faire de rang. Donc là, maintenant, je passe en maille serrée. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Voilà. Maille envers. C'est le haut de mon bonnet, hein, en fait. Je fais un maille serré. Maintenant, je recommence bien. Voilà. Je prends pas tout le brin, je prends juste le brin arrière. Voilà. 3. Voilà. Désolé, j'ai eu un appel. Voilà. Voici. Bon, j'ai pas choisi un bon jour pour faire aussi mes directs, hein. Mon direct, c'est la journée où j'ai tous les enfants à la maison. Les grands du collège sont déjà rentrés. Faut se préparer à l'activité. Voilà. Et là, je viens au dernier. Je vais mettre ce fil de ce côté. Et après, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Je trouve le rendu très beau. Je vais essayer.
Mais quand je fais comme ça, c'est pour que quand je veux, si ce côté je veux l'utiliser, voilà, j'ai cette bande qui n'est pas choquante, il n'y a pas le bleu, voilà, voilà le bleu où, comme je fais de ce côté-là. Donc selon que j'utilise, c'est pas choquant. Si j'avais mis de l'autre côté, le rose se serait mis, ce serait pas très très génial. Avec ça, vous voyez, ça délimite bien, c'est beau. Quand on finit peut-être son bonnet, on finit aussi même sa jupe ou je sais pas qu'est-ce qu'on veut faire. Vous voyez, c'est pas choquant, c'est pas choquant du tout. Je trouve vraiment beau. Voilà, on va continuer notre travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis emmêlée. Pinceau, voilà. C'est triste, hein. Désolée, je vais essayer de mettre la musique. Désolée, je voulais mettre un peu de musique. Après, chacun met sa longueur. J'apprends à faire mes vidéos. Fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai Qu'est-ce que j'ai voulu faire là? Voilà, oui. Si j'avais des deux comme ça, là, ça s'en mêle, c'est du n'importe quoi après. Voilà, il faut que ce fil vienne ici devant pour respecter le...
Je vais essayer. Donc, respecter un peu l'esthétique, que ça continue à être beau. J'espère que quelqu'un qui débute. Va s'en sortir. J'ai vraiment pas pris un point difficile, hein. Voilà. Je fais pas les choses trop compliquées. C'est seulement qu'il faut travailler les deux couleurs. Si une débutante comme moi s'en sort, vous pourrez vous en sortir. Pour celles qui commencent seulement et qui tomberont sur cette vidéo, vont se demander c'est quoi une maille chaînette, comment elle a fait pour en arriver là. Je vais peut-être vous montrer. Comme ça, vous voyez un peu l'agencement. Supposons que quelqu'un veut commencer pour pouvoir faire l'agencement, parce que là j'ai commencé, l'agencement des couleurs. Je fais comme ça, hein. D'autres font comme ça, ils passent par là comme ça pour faire ça, et ensuite font ça. D'autres vont faire comme moi, comme d'autres vont faire commencer comme ça, voyez, et après vont faire ça et vont refaire directement pour avoir leur maille en l'air, et ensuite elles vont commencer. Voilà, je vous montre un peu comment j'ai fait pour pouvoir mélanger les deux couleurs. Voilà. Je ne sais pas si je peux agrandir encore plus. C'est ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Et quand j'arrive là, je vais prendre l'autre bout. Je fais plusieurs bouts. Je vais prendre ça pour avoir une deuxième couleur et faire la partie. Vous voyez? Je fais ça. J'ai juste enfilé sur le nœud de l'autre que je n'ai pas terminé. Et ensuite, au lieu d'attacher, c'est en montant la maille qui va faire. Voilà. Voilà les deux là, se rejoignent là. Voilà. Voilà. Et maintenant, quand je vais faire ma maille, pour pouvoir avancer, je vais faire ça, ou en maille simple. Bref, voilà, je vais faire ça. Je saute la première, je vais sur la deuxième. Voilà. 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 Et quand j'arrive ici, sur la jonction, vous voyez, je vais mettre mon fil vers moi. Je vais mettre ce premier fil vers moi. Et je vais enchaîner maintenant avec le fil noir pour pouvoir serrer sur la tête. Voilà. Je pique directement. Là, et j'ai fait ainsi de suite, voilà, je fais là, c'est juste pour démontrer, hein, pour montrer à la personne, se dire, mais oui, mais c'est bien beau, voilà, je fais ça,
Je fais ça. Imaginons que je sois déjà arrivé en bout, d'accord? Vous continuez jusqu'au bout, vous faites votre maille en l'air, vous remettez le fil sur le crochet, vous prenez bien le brin arrière, pas le brin devant, c'est, ça dépend de ce, comment vous allez faire. Moi, je prends le brin arrière, voilà, je fais couler sur les trois, je remonte mon fil dessus, j'ai de nouveau trois fils, voilà. Ainsi de suite, et ensuite, sachant que j'ai retourné ma pièce, d'accord? Je continue. Pareil. Et là, j'arrive aussi sur cette partie-là. Je mets trois. Je mets bien mon fil vers moi, d'accord? Et je reprends le fil rose saumoné que je vais passer sur les trois pour serrer, pour faire le lien. Je remets, je serre pour pouvoir, voilà. Je pique bien le brin. Le brin, je sais pas si vous voyez bien. Pique bien le brin arrière là. J'ai mes trois fils, je remonte dessus. Voilà, je refais, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'au bout, voilà, et je remonte. À chaque fois que je change, je tourne de côté, je prends le fil, je le mets pas derrière, je le laisse pas de l'autre côté, je le mets bien en face de moi pour que je puisse avoir ce rendu-ci. Voilà, quand je suis de ce côté, puisque le bleu vient, il va tourner vers là. Et quand je vais retourner, c'est le rose saumoné qui va aller de l'autre côté. C'est toujours vers moi le fil de changement de couleur. Ainsi, ça peut faire ceci, vous voyez? C'est pas choquant. Je vais essayer un peu avec le fait que je ne mets pas le fil correctement. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai pas essayé, hein. J'ai pas essayé. Parce que j'aime pas trop le danger, moi. Sais pas si ça sera beau, hein. Donc quand j'arrive là, je change de couleur. Vous voyez, je fais pas. Je laisse pas le fil de l'autre côté pour pouvoir avancer. Vous voyez, je prends là. Essayons voir, hein. Essayons, on va voir ce que ça va donner. Je vais tirer. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas. J'ai pas essayé. Je trouve que le rendu n'est pas pareil. Voilà. Je pense que le rendu ne sera pas pareil. Voilà. C'est quand même agressif le noir et le. C'est vrai que j'aime pas les couleurs timides, mais là, t'es visible, hein, ma chérie. Voilà, si j'arrive là. Je fais comme ça et que je laisse. Ah, c'est pas trop beau, hein. C'est pas trop beau, vous voyez. Là, ça mixe les couleurs en fait. Là, j'avais commencé avec du noir, et là, je fais du rose saumoné comme ça. Vous voyez, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc, vraiment, bien prendre le temps, la peine de mettre toujours, quand on arrive au bout du fil pour le changement, toujours vraiment prendre la peine d'envoyer le fil de fin vers soi, vers son ventre, vers son intérieur, pour pouvoir avoir un rendu comme celui-ci. Voilà, parce que là, on commence à voir, vous voyez,
J'avais commencé avec le noir, là ça fait rose. C'est pas beau, c'est pas beau du tout. Donc voilà un peu pour celles qui prendront cette vidéo pour pouvoir faire des bonnets pour deux fils, pour comment on appelle, pour trois fils, pour cinq fils, ça dépend. Vous pouvez faire ça quand on fait des pulls où on a plusieurs couleurs, on fait avec des couleurs, on sait qu'on a fait sa maille de base, on est en train de faire son pull ou sa jupe, on doit changer des couleurs, on avance comme ça et on sait que voilà, avec cette méthode, le rendu n'est pas choquant, la jupe sera très belle ou son t-shirt, son pull, son bonnet. Bref, moi je fais ça pour le bonnet pour l'instant. Je vais essayer aussi avec une jupe pour voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça évite d'avoir des fils aussi qui se baladent un peu partout. Il faut les recoudre. C'est Et après, on va les coller, on va les coudre quelque part. Il fallait pas coudre, redétacher et tout. Ici, pour le sommet du bonnet, je fais une maille. P5 et après je fais mes Oups, j'étais dans. Voilà, je mets bien en face de moi. Je tire vers moi, je laisse pas derrière pour éviter d'avoir le micmac qu'on a eu tout à l'heure là avec.
prendre du temps afin d'amener cet enfant. Oups. Je dois finir ce projet quand même. Et je reprends un autre projet. N'hésitez pas, hein, lorsque vous visionnerez, vous regarderez cette vidéo, à vous abonner et à partager autour de vous. Je débute les vidéos. Le travail ne soit pas monotone. Voilà. Je sais pas pourquoi les mots en anglais viennent. Today I'm gonna show you how I crochet my beanie. We have two colors. Now we start. Là, je n'ai que deux brins. Oui, je pense que je vais la pousser, oui, parce que c'est les mailles. C'est un peu. Désolé, hein. J'ai les enfants.
Maintenant, j'ai deux brins pour commencer. Ce n'est plus un brin sur le crochet. J'espère qu'il y a le volume. Hein. J'ai pas mis les effets. Même pour faire un tour de cou, un snood avec ça. Et si je veux faire un snood pour compléter le bonnet, je vais utiliser le même point. Je vais utiliser le même point. Mais bon, je vais pas le faire en point élastique. Je vais pas le faire en point élastique. Bon, c'est à voir. Je prends les deux brins directement pour rendre plus solide, plus compact. Et le cou pour le en tour de cou, je vais pas utiliser non plus l'aiguille 4, même si voilà, c'est je vais utiliser une aiguille plus petite pour bien serrer encore, et ainsi on n'a pas besoin de doubler, n'a pas besoin de doubler. Ce sera plus lourd certes, et ça prendra plus de temps, mais au moins c'est lourd. C'est lourd, ça laisse passer moins d'air, ça chauffe, ça réchauffe plus, je trouve. Voilà, j'arrive au point. Je mets toujours devant moi. Là, à chaque fois que je change de sens de projet, je mets toujours au devant de moi pour éviter que ici c'est rose, là c'est bleu, c'est rose, c'est bleu. C'est un peu choquant que là c'est juste du rose toute une partie, de l'autre côté c'est du bleu que du bleu. Voilà, les couleurs ne se mélangent pas. Mon avis, hein, j'ai essayé là. C'est ça fait pas joli. Vous laisserez vos commentaires hein, pour améliorer, pour dire ce que vous pensez, ce que vous en pensez, des suggestions et tout. Moi, je débute là. J'ai ce logiciel qui me permet de faire ce direct sans avoir les 1000 abonnés que YouTube demande quand on fait un direct par avec le mobile, parce qu'avec l'ordinateur et autres, on fait facilement les directs. Mais avec un mobile, il faut des 1000 abonnés pour pouvoir faire un direct par mobile. Sachant qu'il faut aussi quoi 4 000 heures de vue de visionnage. C'est pas je suis en streaming, je vais essayer de faire un peu plus de Je vais un peu agrandir. Je vais souvent essayer de faire un peu plus de streaming, de direct pour les projets. Si je vais terminer ça, demain il faudrait que je fasse. Demain je vais essayer de faire du granny, un modèle que j'ai fait. Si j'ai un projet. Je regarde un peu sur les sites de vente de vêtements, d'accessoires, ce qui se fait.
Merci, Mimi. Voilà. Oui, ça maintient la forme, c'est beau. Ça m'a pris. Ça tire trop sur le fil comme ça, s'il vous plaît, pas trop. Et bon. L'image là, elle ne me plaît pas trop, mais bon. Hein. Faudra que je change de mobile. Il a déjà de l'âge. J'espère que j'ai encore de la batterie. Oh là là. Pardonnez, hein. C'est ça les aléas du direct. Voilà, je vais mettre à charger. Oups. Que je charge, sinon ça va s'éteindre. Ah, ce logiciel bouffe de la batterie aussi, hein. Cette application, quoi, je dirais logiciel. Cette application prend de la batterie. Oh, merci Seigneur. Merci. J'ai mis les 5. Ça sera fini, ça va être super bon. Thank you.
Je vais faire une boule petite. Heureusement que l'autre noir, pendant que je la détache. Ça prend. Pour moi, c'est déjà un côté, hein. Pour moi, c'est juste, je me fais des choses assez volumineuses. Parce que si vous avez une touffe comme moi, l'hiver va commencer, les gros projets aussi, les balles de fil de 900 grammes. Je voudrais que je fasse, je vous montre mes balles de 1 kg, 700 grammes, 800 grammes que j'ai de fil. On va travailler. Ce qui fait que j'ai un projet. Dis bien toujours penser mettre le fil que vous laissez devant vous. Pour éviter des couleurs mixées, méli-mélo, mic-mac. Je vous ai montré un peu quand je mets pas le fil en face de moi, comment ça se passe, quoi. Vous avez deux couleurs sur une partie, deux couleurs pourtant là. Faisant comme ça, je n'ai que du rose d'un côté, du bleu d'un côté. Il n'y a pas de mélange. Et selon qu'on le porte, soit du côté
bleu, soit du côté rose. Là, c'est du côté bleu. Là, c'est le côté rose. Saumoné. Ouais, la couleur saumon. On dirait même de l'orange. Yeux. La consolation. Je m'en salue. La consolation. Le bleu là avec du noir, le bleu avec du jaune, du violet, waouh. Oh, du rouge pétant là. Oh, classe. Même du gris clair. En tout cas, régine toi et les couleurs, hein. Oui, ici, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Moi, c'est un choix que je fais de faire les 5 derniers points ici dans un maille serré pour voilà. Comme ça, c'est pas voilà. Je pouvais même en faire un maille coulé, mais bon, j'ai choisi la maille serrée ici pour le top du bonnet. Je dis, c'est pas seulement pour les bonnets, des pulls, des jupes, quoi encore? Bref, ce que vous voulez faire avec. Des bonnets, des snoods, des sacs, pourquoi pas? Vous pouvez même faire au lieu de mailles les simples les brides comme moi je fais là, vous pouvez faire la bonne bride hein. C'est pas Pour celles qui débutent et qui voudront que je leur dise quelle application j'utilise, sachant que je n'ai même pas 100 abonnés, pour pouvoir faire, pourrez me laisser un message, hein, ou sinon, je ne sais pas si ça va se présenter, comment ça se fait pour le paramétrer et tout, et je vous montrerai pour un peu plus de solidarité. Voilà.
montrerai ce qu'il faut utiliser pour ne pas rester bloqué. J'ai longtemps cherché moi aussi comment faire des directs YouTube sans avoir de réponse. Il fallait aller faire une formation. Voilà, aller se former pour avoir ça. Vous voyez. On ne donne pas. Je vais essayer peut-être d'essayer StreamYard. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Bon, je m'y plais avec celui-ci de streaming. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais détacher parce que j'aime pas le rendu que ça fait ici lorsque je pioche. Je dirais qu'il y a un fil qui était resté. Bon, c'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage avec le crochet par rapport à la couture. Sur un fil, sur un tissu, tu. C'est un tissu, tu fais comme ça, tu as bousillé le tissu, quoi. Tu peux pas le recycler n'importe comment le. Pas que je me verse mon thé. Comment je me suis sentie. Les bras longs. Oh, j'aime pas comment ça fait. Oh, je vais devoir partir. Je vais couper le direct. On se reprendra la prochaine. Dès que je suis prêt de finir, pour coudre et vous montrer ce que ça donne sur moi ou sur un de mes enfants. Non, pas sur mes enfants. Ils sont encore jeunes pour que je. Je vais mettre comme ça là devant mes projets. Allez, vous pouvez laisser vos commentaires, me dire ce que vous pensez. Si ça vous plaît, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce que vous comptez faire, vous? Est-ce que vous utiliserez un fil, deux fils? Est-ce que c'est difficile ou pas?
Voilà, je pourrais vous répondre et à bientôt pour un nouveau projet. Ciao, ciao!